Et re-re-re-re-coucou, cette fois-ci, mon retard sera comblé. À quoi que je n'ai plus besoin de tournerai d'avoir aussi. Ça, le régal, je pourrais le voir plus tard dans la journée, c'est pas... D'ailleurs, parenthèse, là où quand je suis, il y a 6 heures de différence. Donc, ben, pour moi, je fais la vidéo, ben, vous voyez mon téléphone, il est 8h45. Sauf que ben, pour vous, ben, il est déjà 2h45. Donc, voilà, juste pour tout le mois de septembre, ça va être comme ça. Donc, voilà, vous ne seriez pas étonné. Je recommence pour un bon moment et ça va faire du bien. Et ça fait déjà du bien. Alors, l'échange d'âmes, qu'est-ce qu'on a de beau pour la ligne des 10, des 15 et des 20 euros? Oula, alors la ligne des 10, ici, nous avons Aconia, qui est quelqu'un qui fait des démons, qui fait très très mal. Et une fois que le démon disparaît, la cible subit 810 points de dégâts seulement sur 3 tours. Ah ben, bon, là c'est parfait, bah, justement. On combine Aconia avec Pip qui vient de sortir. On fait le 810 points de dégâts de saignement sur 3 tours qui est multiplié par 50%. Ben là, mine de rien, le saignement il va faire mal. Donc, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, ici. Alors, toi, t'es cool, mais. Alors, les dégâts en soi. Les pourcentages, c'est du gros, mais vu que ton attaque est faiblarde, ben en soi, c'est. T'es trop trop faiblard. Stat trop faiblard. Là-dessus, je bloque tout de suite. Stat trop faiblard. Un toi. Eh ben, bon. Elle m'intéresse, Héros Titan, parce que ça augmente l'attaque des tuiles en feu. Ça, je l'ai pas. Donc, ça m'intéresse. Héros Titan, cash. Moi, je prends. Ensuite, nous avons Ulius. Qui lui. Fait un sbire qui octroie 1% de l'immersion minable tant qu'il est là. En charge 2, c'est un démon qui, tant qu'il est présent, confère moins 38 générations de mana. Lorsqu'il dit au mauvais ciel, te désigne au moins 5% de mana. Pas mal. Pas mal. Pour 10 euros, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Ensuite, nous avons Léadria HOTM qu'on voit souvent, mine de rien. Parce qu'elle fait un sbire qui est purement défensif, mais tant que son sbire est présent, et ben mine de rien, leur santé est boostée de 100 par tour. La grande spéciale Tousilier fait un petit plus 20, donc c'est un petit plus. Et plus le 10% pour les verts, du coup, peut jusqu'à plus 30. Sympa. Sympa. Ok, alors pour mon ligne 10 euros, bah, il y a ces deux-là qui se démarquent de par leur modernité, parce qu'ils sont beaucoup plus récents et ça fait du bien. Lui, je trouve qu'il est sympa parce que, mine de rien, avoir un héros de la tour de mage qui a ce maudit passif de te faire ce moins 5 générations de mana. Moins 5, c'est que dalle, mais c'est super casse-pied. Hein. Vous le mettez lui en défense d'attaque de ruée. C'est le moins 5 de mana qui suffit pour passer de 6 à 7 tuiles. Et c'est super rageant. Hein. Ça, franchement, en tournoi raid, attaque de ruée, ça c'est très très casse-pied. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et au-delà de ça, mine de rien, il fait les sbires qui, pour une charge de 1, ne sont pas si dégoûtants. Et qui donne plus de 1% de génération de mana. Donc, ma foi, pourquoi pas. Et les démons derrière, qui eux, tant qu'ils sont là, et ils sont compliqués à dégommer, ils font moins 38 de génération de mana. Mine de rien, je trouve qu'il est pas mal. Moi, perso, il m'intéresse. Elle aussi, elle est pas mal, parce qu'elle fait de. Enfin, elle peut faire de bons démons, mais elle encore, le problème, c'est que soit c'est sur juste un cible et les ennemis sacrés, mais pour peu qu'il n'y ait pas d'ennemis sacrés. Ben, tu te retrouves vite très très useless. Donc moi perso, je serais plus prenant pour lui. Et là, vraiment pour moi, pour mon deck à moi, elle, parce que c'est Héros Titan, et c'est la seule à ce jour, vous contrôlez dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est la seule à ce jour qui augmente les tuiles rouges. Donc pour moi, je prendrais elle, cache, pistache, y a pas photo. Ensuite, la ligne des 15, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Becky. Alors, toi, rapport à ce que tu fais.
350% de dégâts à la cible chaque fois qu'il utilise le combat spécial. Tous les autres ennemis ont moins 15% de mana. Très handicapant. Et en charge 2, que augmente le mana de tout le monde à 10%. Pour le 5 prochains tours, ce personnage inflige 50% de dégâts à tous les ennemis chaque fois qu'un allié utilise sa compétence spéciale. Eh ben, elle est pas mal. Un peu vieillard, mais pour des 15 euros, à la rigueur, pourquoi pas. Ça cesse, mine de rien, elle est assez handicapante. Et puis elle a ce maudit passif. Donc, très bien. Ensuite, Constance. Constance, immuable. Alors, tes petits dégâts, les esquives. Bah, si on n'a pas, comme moi, dans mon cas par exemple, des héros 5 étoiles qui donnent des esquives, et ben là on en a un gratuit qui fait des petits dégâts derrière. Donc pas mal. Pas mal du tout. Ensuite ici nous avons. Ah oui, ah, lui il est très fort. Il est fort parce que lui, il permet à ce que les attaques de tous les alliés contournent les bonus défensifs et donnent plus 50 chances de coup critique. Il soigne. Donc lui, très bonne CS. Pour 15 euros, il vaut largement. Et moi je pense que je l'aurais pris aussi. Pareil, héros titan. Rouge. Il y a pas mal d'héros titan rouge entre lui qui augmente les coups critiques. Et elle qui augmente l'attaque de tuiles. Franchement, c'est pas mal. Si nous avons Thanatos qui est un peu vieilli. Qui a un peu vieilli, mine de rien. Il fait soit un petit peu de soins, un petit peu de mana. Un petit peu de soins augmente le mana. Ou pas mal de soins, pas mal de mana. Et pas mal de génération. Donc on sait pourquoi pas, mais en étant franc, ça fait des lustres que je l'ai pas vu en tournoi. Très vieillard. Là, du coup, pour 15-0, il a une bonne CS, mais ses stats sont tellement en retard que ça viendrait vite l'handicaper. Ça viendrait vite l'handicaper. Après, le passif, il est bien, mais. Non, trop vieux. Et toi, t'as pas de costume, donc c'est juste un nom. Voilà, donc cache-pisse là. Par contre, toi, pour 15 euros, même pour 10 euros, je t'aurais pas pris. Donc toi, c'est non, cash. Pas de négociation. Ensuite, la ligne des 20. Alors, nous avons Rochefort, qui fait pas mal de dégâts. Si l'une des cibles est vaincue sur 3 tours, tous les ennemis subissent 626 points de dégâts. Ça dit si la cible. Donc la cible, celle qui a subi 565% de dégâts, je suppose. Là encore, 165 en soi, c'est beau. Mais vu que tu as 880 d'attaque, ben, ça c'est vite désuet. Donc pour 20 euros, pas sûr. Il est bien, là n'est pas le souci. Pour 20 euros, je suis pas convaincu. Toi, du coup. Pour 20 euros. Oh, enfin, vitesse moyenne, les reçoivent 10% chaque fois qu'un ennemi utilise ses CS. La CS elle est sympa, hein. Mais 20 euros quand même. Enfin, je sais pas. Autant 20 euros, c'est mort. Non, 20 euros pour. Non. Enfin, ta CS, elle est sympa, là n'est pas problème, ça, elle est sympa. Mais 20 euros, c'est cher quand même. Toi, la rigueur, pourquoi pas? Parce qu'en attaque de ruée, tu peux avoir ta place, et puis t'es un peu plus moderne. Donc pourquoi pas, tu peux être sympa. Toi. Ouais, compliqué. La qualité des héros, elle est meilleure qu'avant. On voit qu'ils ont que c'est quand même mieux. Je vais pas le nier. Mais. Compliqué, enfin, je trouve, hein, je sais pas. Pour 20 euros, elle, franchement, de très bons sbires, qui font un très bons effets. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Toi, la rayeur, mais. Voilà, c'est sont très 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 vieux.
Bref, c'est très trop. En plus, dernièrement, on a eu un petit plus encore avec les CS. Donc là, c'est compliqué. Pour 20 euros, franchement, je trouve que ça vaut pas la peine. Je trouve. Encore une fois, je peux me. Ce n'est qu'un avis. Pour la ligne des 15, elle est sympa. Ça reste 15 euros, mais elle est sympa. Lui, très très bien. Héros Titan, même en général, il peut être très très bien. Elle aussi, si on n'a pas de 5 étoiles qui donne des esquives, comme moi par exemple, elle pourrait être très très bien. Je pourrais très bien la prendre. Lui, il pourrait être aussi très intéressant. Et elle en héros titan. Donc, il y a de bons héros, là n'est pas le souci, mais pour 10 euros, franchement, lui, je trouve qu'il est pas mal pour 10 euros, c'est pas mal. Elle, pour 15 euros, elle est pas mal non plus. Mais ça fait un peu cher. Mais moi, perso, par rapport à ce que mon deck a besoin, moi, je prendrais elle. Ou alors, je prendrais lui. Et j'aurais très bien aussi prendre lui. Ce serait aussi intéressant. Et dans l'île des 20 héros, non, par contre, j'en aurais pris aucun. Enfin, ils sont sympas, mais aucun au point d'en mettre 20 euros là, par contre, non. Dans tous les cas, je crois que j'ai que ouais, 2-5 étoiles sur les minimum 10, donc c'est mort. C'est mort. On va quand même faire le tirage. On sait jamais si je peux en avoir. Là, j'en ai 33. Donc, on va se mettre 33. Si j'ai 8 héros 5 étoiles, ça serait miraculeux. Mais je pense pas. Mais on sait jamais. Alors, on commence par. Oh! Ok, bon, on commence bien. Il nous manquerait 7. Ouais, bon bah c'est mort. Hein. Ben voilà, j'en ai eu un. Donc rebelote à attendre. Et bah pour une prochaine fois, bah voilà, fin de l'histoire, je n'aurai pas de tirage. Bon, et ce je vous dis à très vite et ciao ciao!